Bonjour tout le monde, re-bienvenue pour un autre petit review donc de Moulinet. C'est le Moulinet cette fois-ci, le Perseus, encore une fois de Pistifone. Je l'ai reçu, ça fait environ un mois et demi, donc ce Moulinet-là. Et puis, j'ai eu le temps de le tester quand même beaucoup. Pour l'instant, j'ai réussi à prendre un échigan de 4,21 livres, donc dessus, c'est mon plus gros poisson que j'ai pris avec. Puis, c'est vendu comme étant un Moulinet Heavy Duty, donc on va pouvoir se servir pour faire entre autres de la frog. C'est d'ailleurs ce à quoi je m'en sers, donc pour faire de la pêche à la grenouille. Puis la grenouille que je vais pêcher le plus souvent avec, c'est la Hard Leg Frog, donc de Z-Man. C'est un leurre souple, donc on ne se le cachera pas, il n'y a pas beaucoup de poids côté distance de lancer normalement, c'est assez limité. Cependant, avec ce moulinet-là, j'ai réussi à atteindre des distances de lancer absolument phénoménales. Donc elle vient tout juste de toucher l'eau. J'ai peut-être, je dirais, 20 verges, 30 verges chalot. C'est vraiment très très impressionnant la distance que je suis capable d'atteindre avec ce moulinet-là. Donc j'ai mis dedans de la Power Pro, pas de la Power Pro, pardon, mais de la ligne tressée en fait, de 50 livres vitesse. Donc c'est très très gros. C'est pas nécessairement fait pour lancer des distances. J'avais un petit peu peur, mais en même temps, comme c'est ma canne pour faire de la grenouille, je voulais quelque chose qui est capable de sortir les poissons du heavy cover. Puis avec ce moulinet-là, à date, il n'y a pas un poisson qui a su résister. Donc, on parle de 18 livres de drague. 18 livres, pour vous donner une idée, c'est énorme en fait. Mais quand j'ai pris la 4.21, elle était dans du stock assez heavy, donc du heavy grass, là, un mat. Je me suis mis à riller. J'ai simplement jamais arrêté de mouliner. Elle n'a pas eu le choix de venir, donc. C'est exactement ça pourquoi on veut un moulinet de ce type-là. Je la pêche sur une Slop and Frog de Sainte-Croix, donc une mojo basse, canne de 7 pieds 4, avec une action heavy. Ça me permet justement de lancer des grenouilles dans du heavy cover, dans du gros couvert, puis de ramener le poisson sans surcharger la canne trop. Donc, ce que j'aime particulièrement de ce moulinet-là, en terminant, c'est son frein. D'ailleurs, j'ai pas encore un poisson qui a réussi à me faire sortir de la ligne quand je le barrais. C'est exactement ce qu'on veut, donc c'est très très solide. Avec la 50 livres, on est capable de wincher, donc ce qu'on appelle. Puis, en même temps, je l'ai testé aussi, donc à chiquant à petite bouche, en slaquant mon frein. Puis, vraiment, c'est smooth. Il n'y a pas à dire, c'est très très smooth. Donc, j'ai pêché du spinner bait avec ce moulinet-là. Puis le chicane était capable de prendre la ligne sans problème. Donc, un très très bon frein, quelqu'un qui veut s'en servir avec le frein. Pour ceux qui veulent flipper avec, qui veulent pêcher du heavy cover, vraiment, on est capable de wincher des bites avec ça. C'est absolument incroyable. Donc, je vous le conseille grandement. Si jamais vous voulez un moulinet pour faire de la grenouille avec une très très bonne distance de lancer, c'est vraiment impressionnant pour le prix. Donc, le Pistifone Perseus. On se revoit dans peut-être la semaine prochaine pour un autre gear review.